Je n'attends rien de la part du spectateur. Si c'était moi le spectateur, je m'assierais et je regarderais la vidéo pour essayer de comprendre l'œuvre. On ne peut pas comprendre simplement en déambulant dans l'œuvre. Il faut s'asseoir et regarder les vidéos. Je ne peux pas obliger le public à le faire, mais c'est comme au cinéma. Il faut simplement regarder. Tout est là. J'invoque beaucoup d'idées, bien entendu. Je ne sais pas si le public va comprendre tout cela, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Chacun met son propre savoir et ses propres associations d'idées dans l'œuvre. Joan Jonas est ce que l'on appelle en anglais une artist, à savoir une artiste qui a énormément d'influence sur beaucoup d'autres artistes. Je suis allé la voir lors de mes premières visites à New York, à la fin des années 80, début des années 90, parce que d'autres artistes m'avaient beaucoup parlé d'elle. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Depuis la fin des années 60, les œuvres de Joan Jonas sont à la lisière entre plusieurs disciplines. En arrivant de Boston, elle a très vite aménagé à Soho, qui est devenu à la fin des années 60 l'épicentre du monde de l'art. Elle assiste à l'évolution du quartier et suit ses différentes transformations tout en y participant. Elle fonctionne alors comme un filtre, en intégrant tous ces changements dans son œuvre. Son œuvre est un système ouvert, pas du tout hermétique. Il intègre plein d'éléments biographiques sans jamais tomber dans l'autobiographie pure. Il s'agit plutôt d'une multiplication des rôles qu'elle joue. C'est en 1968 que je me suis installée à Soho. À l'époque, c'était une communauté, surtout parce que c'était un quartier peu cher. Il n'y avait que des usines, pas de galeries, pas de boutiques. À partir de 68, les artistes commençaient à s'y installer. Ça craignait, mais c'était très sympa. Avant de m'y installer, j'étais déjà très impliquée dans le monde de l'art. J'allais voir des expos, et puis j'ai travaillé dans des galeries. Je dis que j'ai appris sur le tas, car même si j'ai fait les beaux-arts à Boston dans les années 50, la vidéo et les performances n'existaient pas à l'époque. On travaillait avec de la glaise, avec des modèles, et puis il y avait le dessin. J'ai juste franchi un cap en rentrant dans l'espace physique. Ce n'était pas un grand changement, car pour moi, tout était lié. La littérature, les poèmes, le cinéma. Je suis allé voir des films. L'anthologie Film Archive était juste à côté. Et dans les années 60 et 70, j'y suis allé très souvent pour étudier l'histoire du cinéma. J'étais donc très sensible à la création d'œuvres basées sur le temps. C'est ainsi que j'ai fini par associer ces différentes formes et techniques. Et c'est de là qu'est née l'idée de mes performances. Wind est à la base une performance en intérieur. Et l'idée était de la transposer à l'extérieur, sur une plage de Long Island, en utilisant la vidéo et le jeu devant la caméra. Il se trouve que ce jour-là, il y avait du vent et de la neige, ce qui a en effet métamorphosé la pièce. Mais déjà, lors de la performance en intérieur, j'avais installé des ventilateurs. Il y a donc toujours eu cette idée du vent qui traverse l'œuvre. Le féminisme et le fait de donner une voix aux femmes étaient toujours très importants pour moi. Ma toute première œuvre vidéo, Organic Honey Project, cherchait déjà à savoir s'il existait une sorte d'imagerie féminine, question qui faisait débat à l'époque. Au début de la vidéo, la technique était très simple. Avec les premières caméras porte-à-pack, n'importe qui pouvait le faire. C'est pourquoi cela a été un tournant majeur pour beaucoup d'artistes. Mais au-delà de ça, j'ai toujours été intéressée par la manière de transformer l'espace. Cela se voit dans les Mirror Pieces, qui soulèvent un questionnement sur l'espace de la performance et sa perception par le public. Les performances vidéo étaient structurées de façon à ce que le public regarde certaines parties d'une performance filmée en direct. Il y avait une caméra qui tournait en direct, une cadreuse filmait mes gestes. L'écran et la caméra étaient mis en abîme. Cela a profondément influencé mon travail. Depuis, j'ai exploré encore plus en détail cette relation, tout comme les interactions entre la performance et l'enregistrement de celle-ci, ainsi que sa transformation en vidéo autonome. Dans Organic Honey's Visual Telepathy, œuvre du début des années 70, son image est intégrée dans la performance un peu comme un autoportrait, mais démultiplié par la caméra. Aujourd'hui, nous avons tous un appareil photo dans notre téléphone portable. Il est donc difficile d'imaginer à quel point c'était compliqué à l'époque de se procurer et d'utiliser ce genre d'appareil. Ce travail est donc un véritable travail de pionnier, surtout pour des plasticiens qui n'avaient pas l'habitude de filmer. On a souvent écrit que Joan Jonas était une artiste des nouveaux médias, parce qu'elle a très tôt utilisé la vidéo et la caméra porte-à-pack. Mais cela n'est pas tout à fait exact, car dans son travail, il y a aussi beaucoup de références à l'histoire, à la mythologie, à la magie, à l'alchimie et au mysticisme de la nature. Quand on pense avoir saisi le sens d'une œuvre, celle-ci se révèle toujours encore plus complexe. Mirage s'inspire d'un voyage en Inde. À mon retour, j'ai eu envie de réaliser une œuvre abstraite à partir d'éléments abstraits, le noir et le blanc, l'ombre et la lumière, le soleil et la lune. Cette œuvre de 1976 contient aussi une projection d'images d'archives de volcans en éruption. Il y a aussi un autre film dans lequel on me voit dessiner pendant une demi-heure. Plus tard, en 2000, j'ai été invité à montrer Mirage. J'ai revu les images que je n'avais pas utilisées à l'époque, et cette vidéo contient en fait d'autres éléments. Je voulais faire un retour en arrière sur les années 70, car c'était une époque bizarre. Nixon était alors à la Maison-Blanche. Sur le plan politique, c'était très étrange. Il m'arrive donc de retourner fouiller dans mon travail et d'y inclure des scènes que je n'avais pas envie de montrer auparavant, alors que c'est maintenant possible. L'œuvre de Joan Jonas est donc un système ouvert depuis ses débuts. Elle a très tôt trouvé son propre langage. Tout est mis en place depuis le début des années 70, mais le système n'est jamais fermé. Son langage reste toujours ouvert. Et ce n'est pas du tout un hasard si aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère du numérique, les jeunes artistes étudient de près les œuvres de Joan Jonas. J'ai été à Berlin avec une bourse du programme d'échange DAAD au début des années 80 et j'ai adoré cette ville. C'est pourquoi j'y suis retournée quand le mur est tombé. C'est là que j'ai commencé à travailler sur un projet s'inspirant d'un poème épique irlandais appelé Sweeney Astray. J'ai intitulé cette pièce « Révolté par le souvenir de lieux familiers », d'après un vers tiré de ce poème traduit du gaélique par Seamus Heaney. J'ai transposé son histoire à ce qui était en train de se passer à Berlin, où des personnes jadis déplacées franchissaient maintenant les frontières. Je me suis aussi rendue en Irlande, où j'ai fait des vidéos et pris un grand nombre de photos qui font partie de l'œuvre. C'est l'histoire d'un homme à qui la guerre fait perdre la tête et qui fuit de lieu en lieu. C'est une œuvre sur la guerre, sur la manière dont la guerre nous rend fous. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Volcano Saga s'inspire d'une légende islandaise appelée Laxdæla Saga. Et dès le début, j'ai eu envie de créer moi-même les différents effets spéciaux. Dans les années 80, les artistes recevaient des bourses pour monter des projets et aussi pour travailler dans des studios télé. On y allait la nuit pour monter ses vidéos, ce qui ouvrait la porte à tout un tas de choses impossibles à faire chez soi ou avec sa caméra porte-à-pack. Il y a quelques effets spéciaux dans Volcano Saga, mais pas autant. L'œuvre sur laquelle je travaille en ce moment ne contient pas d'effets spéciaux. Tout se passe dans mon studio. Aucun effet n'est ajouté. Ça m'intéresse de faire ça. Manipuler l'image à ma manière. Je trouve que parfois les effets spéciaux sont trop propres. Je préfère l'aspect un peu brut du travail artisanal. It is a grave thought that all of this may come to pass. Joan Jonas m'a beaucoup parlé de ses fréquents séjours au Canada, qui sont essentiels pour elle. Le fait qu'elle n'observe pas que les transformations de la nature, mais qu'elle les intègre dans son travail, est lié à l'attention qu'elle porte au paysage. Il ne s'agit pas seulement de la crainte de la disparition et de l'extinction des espèces, mais aussi de l'extinction des phénomènes culturels comme celle des langues ou encore de l'écriture. But never changing the beat, the rhythm. Was the iron horse an ancient symbol or a new battering ram? Was Helen another symbol? A star? À l'ère du numérique, l'écriture tend à disparaître, même si de nouvelles possibilités s'offrent à la littérature ou aux arts plastiques. Le numérique possède un incroyable potentiel, ce qui n'est en soi pas du tout négatif. Mais la question de la disparition demeure toujours. Si l'écriture disparaît, c'est quelque chose d'essentiel à l'homme qui disparaît. Or, chez Joan Jonas, l'écriture, l'esquisse et le dessin jouent un rôle très important. On retrouve depuis plus de 50 ans une véritable œuvre dessinée, qui témoigne de sa protestation contre cette disparition de l'écriture dans notre culture. Ils viennent chez nous sans un mot, a d'abord pris la forme d'une installation. signs of spirits, you don't see anything where there's electricity. Once the power went in, they never heard anything move. L'une d'entre elles est centrée sur le thème principal, des abeilles dans la première salle, des poissons pour l'eau dans la deuxième, des cerfs-volants pour le vent dans la troisième, et la quatrième salle sert de foyer. Les autres vidéos racontent des histoires de fantômes, et ces récits fragmentés forment une narration continue reliant les salles entre elles. Ces histoires de fantômes servent notamment à évoquer ce qui reste et ce qui est perdu. Nous sommes hantés, tout comme les salles le sont. Je voudrais évoquer le concept d'œuvre d'art totale. Joan Jonas intègre différents éléments dans son langage artistique, dont les nouveaux médias les plus divers, donnant ainsi à son travail une dimension totalement nouvelle. Elle intègre la littérature, les films et la vidéo, la performance, la sculpture, mais aussi l'installation. Tous ces éléments se combinent en une œuvre d'art totale. Sans oublier son travail sur le live art, son travail sur la performance et sur le temps. Je ne dirais pas que mon travail est plus ou moins poétique que celui d'autres artistes, mais à l'époque, j'étais simplement centrée sur le développement de mon propre langage. Je voulais laisser derrière moi tout ce qui avait déjà été fait. D'où la décision d'intégrer dans mes vidéos des disciplines diverses comme le dessin, la peinture ou le cinéma. La transformation de l'espace m'a toujours intéressée. C'est ce que j'observe en étudiant la peinture des vieux maîtres. Comment ont-ils abordé la surface plate? Je retrouve cela dans la relation entre la caméra et la surface plate de l'écran. Comment gérer l'espace et la manière dont le public le perçoit. Gee, didn't it get bright? La performance que je réalise à Venise s'inspire de l'installation montée là-bas. J'utilise une partie des vidéos, mais pas tout, loin de là. Là encore, je les déconstruis, puis je les réorganise et je crée de nouvelles performances en associant diverses techniques de superposition et de projection conçues pour Venise. Et Jason va jouer sur scène, ce qui va apporter une différence majeure. Ce sera en quelque sorte une nouvelle œuvre. Joan vient souvent me voir en concert avec mon groupe. Je pense qu'elle est frappée par ce qui s'en dégage. Le mot possession est peut-être un peu fort. Mais on ressent une grande rigueur, dans l'œuvre, mais aussi dans son interprétation. C'est un travail très physique, et c'est d'ailleurs ce qu'elle recherche. Climbing on the trunk. Jack Draw. Male and female on a branch. White stork. By a nest. Lemming. Among the moss. Nuthatch. In the top of the closest trunk. Common tree creeper. Below. Je définis la structure de l'œuvre. Ensuite, je montre les vidéos à Jason et nous décortiquons chaque séquence. Puis, il compose la musique et nous décidons ensemble de ce qui fonctionne. Je travaille beaucoup avec le son et en tant que musicien de jazz, il est lui-même très ouvert à mes suggestions sur la bande sonore. Mais bien sûr, cela reste sa musique et c'est avec cela que nous travaillons. L'improvisation est un élément majeur de notre collaboration. Elle esquisse un premier mouvement, je commence à jouer et nous élaborons au fur et à mesure la musique qui va accompagner la pièce. Pareil pour cette œuvre, nous nous retrouvions pour essayer plusieurs choses. Lorsqu'une idée fonctionnait, elle disait « j'aime bien ça ». Elle se plaçait alors devant la projection pour faire des mouvements et je reprenais pour créer quelque chose d'autre. C'est un processus de création naturel pour moi et je pense pour elle aussi. Dans ses performances, il y a des moments très intenses, voire rock, mais avant tout d'une grande intensité. Elle est irrésistiblement attirée par ça. Et elle me dit toujours, « Je sais que c'est beau, mais ne va pas vers le sentimental. J'ai besoin que tu fonces à ce moment-là. » Ainsi, nous allons parfois dans des directions presque contraires. Si une image très belle apparaît sur l'écran, par exemple, je vais plutôt jouer quelque chose de diamétralement opposé. Elle recherche cette forme de distanciation. On retrouve toujours cet élément dans le son, mais aussi dans le mouvement, dans le corps, qui vient agiter les molécules. Lorsque le corps se met à bouger, est-ce que cela accélère la circulation du sang? Le son produit aussi ce genre d'effet, mais sur l'esprit. Qu'est-ce qu'une performance? C'est du mouvement. Je travaille beaucoup avec le mouvement. Ça a toujours été le cas. Mon corps se met en mouvement. Ce n'est pas vraiment de la danse, car j'utilise d'autres éléments, mais je travaille comme ça depuis longtemps. La transformation est une des notions clés du XXIe siècle. Non seulement la transformation sociale ou politique, mais aussi biologique. Tous les concepts de transformation. Cela est très important dans son travail, car elle-même se transforme tout le temps. Joan Jonas se décrit dans différents contextes, dans différents rôles géographiques. Le fait que le spectateur change aussi de rôle est très important pour elle. En la regardant se transformer, nous nous transformons nous-mêmes. Voir une exposition de Joan Jonas est une expérience qui nous transforme.